c'est plus qu'un divertissement. C'est une lecture qui sensibilise. C'est aussi un moyen d'amener nos jeunes vers l'action, en disant non à l'intimidation. Non à l'intimidation! Touchant. Taxage. Humiliation. Violence. Émouvant. Courage. Enrichissante. Les jeunes m'ont témoigné très clairement qu'ils avaient lu leur premier roman d'un couvert à l'autre. La première période où on a fait la mise en contexte, où j'ai présenté les clips, le soir même, une élève écrivait une lettre à sa mère en lui disant « Maman, je vis de l'intimidation, aide-moi ». Nous étions trop jeunes pour comprendre ce qu'était l'amour. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Il n'était pas question que je retourne à mon ancien statut de rejet après tout ce que j'avais enduré. Il y a des élèves qui m'ont avoué qu'ils avaient déjà été acteurs de l'intimidation, c'est-à-dire qu'ils ont été soit des intimidés, des intimidateurs ou des témoins. Des agresseurs qui m'ont dit « Bien, plus jamais je vais faire ça, je me rends compte qu'est-ce que ça amène comme conséquence. » C'est, elle a vraiment... elle a utilisé son talent. Ben, elle sort Vincent de son casier, puis elle se tient avec lui, puis elles deviennent amies, puis finissent par sortir ensemble. J'ai posé la question aux élèves. Est-ce que vous pensez que le fait que tous les élèves de première secondaire aient lu le roman, est-ce que vous pensez avoir des conséquences positives pour le restant de votre secondaire? Et les élèves m'ont tous dit oui. Qui sont persuadés que ça va en fait réfléchir plusieurs jeunes. Puis Rodrigue, victime, bien, je pense qu'on a toutes la même, là. Il s'est fait faire du taxage, les élèves ont pris ses vêtements. Moi, j'ai mis... Vincent se fait encore taxer par la gang de Dan Ménard. Ben moi, j'ai mis quand il s'est fait traiter de bobo au chandail rentré, puis il n'a pas réagi. Il n'a rien fait, là. Puis aussi, quand Magali a demandé à Vincent de fumer, là, mais il a dit oui parce qu'il voulait être dans leur gang, puis il aimait. Finalement, ils l'ont écœuré à fond. Oui. J'ai fait une page web parce que je voulais que ça touche les jeunes de des écoles. Ben, j'ai fait une lettre pour informer nos parents quoi faire si votre enfant vit de l'intimidation. C'est un projet qui me représente beaucoup parce que j'aime beaucoup ça dessiner. Ben, c'est une petite fille qui va voir un psychologue parce qu'elle se fait intimider. Puis ben, elle sourit parce que la psychologue a donné des bons conseils pour qu'elle puisse se sortir de l'intimidation. Parce que je voulais m'embarquer dans un gros projet, faire une lettre. Puis après ça, j'aimerais ça la présenter à la direction pour que ça se rende aux parents. C'est quoi les conséquences de l'intimidation? Puis... On a créé un PowerPoint, puis dans le PowerPoint, on dit comment se défaire des sortes d'intimidation. Tous les élèves de la frontalière ont répondu à un sondage sur l'intimidation. Avec des témoignages de gens qui sont reconnus un petit peu partout, que ce soit dans le domaine culturel ou même professionnel ou sportif. Et puis les jeunes se sont identifiés à ces grandes personnes-là qui ont déjà vécu à leur façon de l'intimidation dans le passé et qui s'en sont sortis. L'aboutissement du projet, c'est la signature d'un contrat d'engagement. Contrat d'engagement qui est très différent d'un contrat légal parce que celui-là, il s'applique à vie. Pour nous, ce qui est important, c'est de développer des lecteurs et des scripteurs compétents. Mais à travers ce projet-là, ce qu'on voulait d'abord et avant tout, et ce qu'on se dit depuis le début, c'est qu'on veut développer des êtres humains.